Eh bien bonjour Raphaël de SOSNuisible.be, maintenant vous connaissez bien. Ça y est, c'est parti, dératisation. On est mi-octobre, mi-octobre. Donc la température de hier, on est je sais plus quand. Mais la température d'hier à aujourd'hui, il y a eu 10 degrés en moins direct, bing. Alors je ne suis pas avec le stabilisateur, il est mort, donc faut que je le recharge. Donc excusez-moi pour les vibrations. Donc, si bien entendu, on repart évidemment avec des gorilles à trappe, hein, comme d'habitude, je vais vous la placer celle-là. Donc, un, hop, je l'arme. Ok, armé. Je la prends et je vais la placer à ce qui est pour moi l'endroit le plus simple. Je vais peut-être investir dans une GoPro. Attendez, je vous retourne dans l'autre sens. S'il veut bien faire la mise au point, voilà. Vous voyez, j'ai des excréments ici. J'en ai. Donc, je vais placer ma tapette. Oh, j'hésite parce qu'avec ça, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein, donc, voilà. Je vais la placer comme ceci. Je vais vous montrer là où j'ai placé les autres tapettes. Je les ai placées avant. Avant, donc pour la bonne et simple raison, je ne sais pas pourquoi il me fait un cercle bizarre ce truc-là. Pour la bonne et simple raison que les accès sont plus compliqués. Donc ici, je remets ce que moi j'ai mis comme bazar. Voilà. Okay. Donc je vous montre ça. Ah, voilà, il a enlevé le. Donc ici, je suis dans une écurie, mais vraiment l'étage du dessus. Alors je vais vous montrer là où j'ai. Donc, alors j'ai enlevé les vélos, machin, check-check, parce que pour me créer l'accès, bien sûr, je vais les remettre. Donc, vous voyez, ils avaient déjà mis une boîte avec du poison. Je ne préconise pas le poison. Donc, voilà, j'ai mis ma tapette gorille à trappe avec du beurre de cacahuète. Donc, je vais remettre après les vélos. Je vais mettre maintenant, je vous mets en pause. Et hop, on reprend. Voilà. Donc, les vélos sont mis en place. Ma tapette Ara, elle est là-bas. J'en ai une deuxième, enfin, qui est la troisième, qui est juste là derrière le seau. Hein. Donc ici, donc trois tapettes à rat, beurre de cacahuète, et là, il y en a une où j'ai rajouté de l'avoine, parce qu'on est dans une écurie, et donc c'est nourri à l'avoine. Alors je vous montre ce que j'ai piégé ici. Donc j'ai piégé une boîte sécurisée, donc je vous remets un peu le décor. Hein. Donc voilà, l'écurie avec les box, je rentre. Mon petit matos. J'ai un escalier d'où on vient, en fait, où je vous ai montré où est-ce que j'ai piégé. Donc, immédiatement ici, voilà, j'ai mis une boîte sécurisée. On voit clairement qu'il y a du passage avec toutes les crottes qu'il y a. Franchement, il y en a beaucoup. Je l'ai sécurisé parce qu'il y a un chien qui est capable d'y aller. Alors, la bouffe fermée, hein, bien entendu, évidemment fermée. Alors, ici, en dessous, également, donc une boîte sécurisée. Deux pièges, deux tapettes à rats dedans. Là derrière, alors vous ne la verrez pas parce que j'ai pas une tour bougée. Vraiment dans le coin, mon doigt il est là, dans le coin là-bas, en dessous, vous avez une tapette à rat, beurre de cacahuète. J'ai tout, je vous dis, j'ai tout mis au beurre de cacahuète aujourd'hui, je verrai bien. Il y en a une autre là parce qu'évidemment il y a du passage près des onduleurs. Vous savez que je préconise toujours le piégeage non sécurisé, mais sécurisé par l'environnement, donc sous les palettes. Hein, donc ça, c'est un truc qui fonctionne très bien. Allez peut-être revoir mes vidéos du mois de mai, un truc comme ça, où on avait tapé du rein un peu partout là. Donc ici, j'ai une autre tapette sécurisée par l'environnement. Vous voyez, voilà. Et donc vous voyez les excréments, il y en a plein, plein, plein. C'est une infestation élevée ici. Hein. Et voilà, vous voyez, bah là là, et hop. Au-dessus également, bing, j'ai une tapette à rat. Alors, ici, il va y avoir de la taupe également, parce qu'ils sont infestés de taupes, mais ça, je reviendrai pour piéger à ce niveau-là. Voilà, petite vidéo donc de placement de pièges à rat. Ça fait longtemps, mais bon, voilà, les guêpes, ça commence à nettement diminuer vu la température aussi. Et par contre, les frelons asiatiques, ben, une fois que les feuilles vont tomber, eh ben, on va continuer de m'appeler pour ça. Ça, j'ai la perche télescopique pour ça. Donc, allez-y, 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 n'hésitez pas. Donc voilà, ici,
premier épisode, parce qu'il y en aura plusieurs, hein. Je repasserai la semaine prochaine, je vais passer ici une fois par semaine pour relever les pièges, et puis on va dératiser tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine intervention SES Nuisible, et notamment l'épisode 2 avec les résultats. Si on a, on verra. Ciao, ciao!